Agne, Palomonque, Maite Mola, de la gauche unie en Espagne, et vice-présidente du Parti de la gauche en Europe. Merci, merci, Tamara. Bon, oui, je sais, je comprends l'espagnol. Et écoutez, je vais improviser en français parce que j'ai écrit en espagnol. Alors, pardon, parce que je vais dire quelquefois n'importe quoi. Alors, patience. D'abord, je désire dire aux camarades italiens de l'altra lista d'avoir un énorme succès dans les élections de demain en Italie. Après, je remercie très vivement les camarades, les copains français pour cet énorme travail qu'ils ont fait pour que ce forum soit un succès. Je suis très 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 fière de vous. Je pensais que vous alliez travailler dur, mais ça, moi-même, je suis très surprise de ce que vous avez réussi à faire. Merci camarades. Merci. Pourquoi? Je le dis parce que c'était un des défis plus importants, peut-être le plus important du Congrès du Parti de la gauche européenne. Alors, sortir de nos bureaux, sortir de nos syndicats, de chez nous, aller aux rues, essayer de faire ça, peut-être on aurait pu se tromper. Et au lieu d'être ici 500 personnes, être 100. Mais on devait essayer, parce que c'est notre obligation maintenant, essayer d'être dans les rues, occuper les rues, pour que tout le monde voit qu'est-ce que c'est le mouvement, les syndicats, qu'est-ce que c'est la gauche. Parce que c'est effectivement le moment de l'unité. Tout le monde doit penser à l'unité, tous. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Et nous devons montrer aussi dans les rues que la corruption, c'est lié au système capitaliste. Ce ne sont pas quelques politiciens qui sont corrupts. C'est le système capitaliste qui oblige, entre guillemets, à avoir des politiques corruptes. Et c'est le système capitaliste qui crée les mouvements d'extrême droite dans les pays. Parce qu'ils doivent cacher ce qu'ils ont derrière, que c'est l'économie. Oui, l'économie, c'est ça qui est derrière de ces constructions et d'extrême droite dans toute l'Europe. C'est le capitalisme qui est derrière. Et je ne veux pas parler de ce qu'on a fait ces jours-là, parce que c'est clair, Elisabeth l'a dit, on doit parler surtout du futur. Surtout du futur. Alors, nous devons penser à ce moment-là, effectivement, qu'il y a deux manières de continuer en Europe. Une, c'est la manière capitaliste, antidémocratique, autoritaire, inégale, etc. Et l'autre, c'est la nôtre. C'est l'Europe solidaire, l'Europe de la justice, l'Europe des peuples, l'Europe féministe. Ça, c'est notre modèle de l'Europe. Mettre sur la table et que nous devons détruire, parce que c'est eux qui construisent aussi tout le racisme, la xénophobie, tout ce qui a créé je ne sais pas comment c'est dit en français, l'armée islamique, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Tout ça sont des constructions des deux choses qui sont dans la table, le capitalisme et le bras armé de l'impérialisme. Et oui, on est absolument très content du succès de Syriza. Nous devons être ravis d'avoir en Grèce un gouvernement qui pense au peuple et pas au marché. Ça, c'est fondamental. Et nous devons, ces jours-là, être dans les rues. Puisque nous ne sommes pas dans le gouvernement, dans les autres côtés de l'Europe, oui, on peut faire beaucoup de choses dans les mairies, dans les régions, dans les institutions régionales, etc. On peut travailler là aussi et pour la solidarité avec la Grèce, mais je me rectifie à moi-même immédiatement. Ce n'est pas une question de solidarité avec la Grèce.
C'est une question vitale pour la construction d'unité populaire en Europe, en Espagne, en Portugal, en Grèce. Si la Grèce ne montre pas qu'on peut faire des autres politiques, même dans le capitalisme, et c'est ce qu'ils sont en train de faire en Amérique latine, si on n'a pas cette opportunité, moi je ne dis pas comme autre dit, si la Grèce, c'est un échec, non, non, ça serait dur, mais on pourrait les supérer. Mais c'est vrai que nous avons besoin de ça maintenant. Pourquoi? Parce que ce qui ont fait en Espagne sont les unités populaires, pas les partis seuls. Et je ne vais pas donner de nom. On est à donner de nom ici. Quand ils vont seuls, nous, l'autre. C'est la moitié des votes ou moins de quand on fait des coalitions et quand on a des femmes dans les coalitions. Parce que nous sommes en train de construire une Europe aussi des femmes. Les femmes sont indépendantes de ces femmes-là. À Galicia, on a eu un énorme succès dans les élections à La Coruña, à Santiago, à Vigo. La Galicia de droite, plutôt d'extrême droite, sont les coalitions qui peuvent avoir 30% en Espagne dans la sélection générale. Ou un 35%. Sans ça, on n'a pas de pouvoir en Espagne. On ne peut pas gouverner le Parlement espagnol si tu n'as pas un 35% de vote. Alors, on doit construire l'unité populaire. Et qui ne veut pas être dans l'unité populaire, c'est son problème. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le problème de la gauche. Nous serons dans toutes les unités populaires dans l'État espagnol. Comme on a été dans les élections dernières. Et ces hommes n'ont pas voulu. Parce qu'ils voulaient être différents. Et savoir combien de votes ont seul. Très bien. Ils le savent maintenant. Moins de 20%. Avec ça, on ne fait rien en Espagne. Alors, on doit changer. On doit nous unir. Comment? On fait des programmes basiques. Ce n'est pas nécessaire de dire la dictature du prolétariat. C'est clair. On fait des programmes parlant de l'austérité, de la banque, des services publics. Ok, c'est ça qu'on doit faire. Mais on va le faire si tout le monde veut. Et sinon, et je finis Elisabeth presque, et sinon nous aurons de nouveau un gouvernement de droite. Et moi j'appelle droite au Parti Socialiste, que c'est lui qui a prouvé la révolution. Vous êtes le système, vous êtes la caste. On va voir maintenant ce qu'on fait tous. Parce que la vie est dure. Alors on va voir maintenant qu'est-ce que tout le monde fait. Une fois, pas laisser flic, mais une fois que tu fais les choses, on peut te parler, alors c'est quand on voit ce que chacun. Et je finis réellement, Elisabeth. Merci pour ta patience. Et moi je crois que la parole socialisme est complètement de mode. Parce que finalement, ça s'est disputé l'hégémonie culturelle, politique et idéologique à la droite. C'est simplement des idées de solidarité, d'unité contre l'homophobie, etc. C'est finalement le socialisme, pas le communisme, mais c'est le socialisme. On doit lutter pour avoir ça. Alors, pour construire une unité populaire, en Europe, on doit être tous dans la ligne de Marx. Parce que Marx disait, travailleurs du monde, unissez-vous. Ça disait Marx, non? Mais après, il disait une autre chose. Il disait, parce que vous n'avez rien à perdre. Seulement, vous pouvez perdre votre chaîne. Les chaînes qui met, ça c'est à moi, le système capitaliste. Alors, oui, on doit créer la politique, mais on doit savoir où est-ce que nous voulons aller. Les deux choses, créer la politique, mais avoir un but. Merci beaucoup.